Hello, à vous tous, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Car dans cette vidéo, nous allons voir est-ce que le PN peut-il tuer? Est-ce que le PN peut-il exécuter ses menaces? Le PN peut-il vraiment passer à l'acte? C'est des questions qu'on peut tout à fait se poser et je vais être le plus complet dans cette vidéo les amis. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir que la réponse elle est vraiment très 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 choquante. Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, et eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je suis sorti et aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Avant qu'on ne commence, si vous aimez cette vidéo les amis, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos. Tous les jours sur cette chaîne YouTube et je tenais à rappeler que juste en dessous dans la description en premier commentaire épinglé il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation très complète. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Alors j'ai conscience qu'il y a déjà énormément de personnes et eh bien qui parlent de ce sujet, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pour réaliser cette vidéo, je me base bien sûr à 100% sur euh, ce que j'ai vécu. Alors déjà, le PN peut-il tuer Il faut comprendre quelque chose. C'est que son but, c'est déjà de vous contrôler. Par la peur, et ça vous le savez donc 90% du temps, il ne va pas faire ses menaces parce que le PN il se doute que s'il fait quelque chose, s'il va jusqu'au bout, et eh bien il va avoir euh, des ennuis. C'est quelqu'un qui a déjà testé les lois, c'est quelqu'un qui connaît très, très, très bien les lois. Ok, donc ça, c'est la première chose à vous dire. Mais alors, vous allez me dire, mais Damien, pourquoi est-ce que tu, tu nous dis que c'est choquant? Alors qu'au final, tu me dis, dis qu'il y a 90% de chances qu'il ne qu fera pas sa menaces. Cependant, ce qui peut être vraiment extrêmement dangereux, c'est que son immaturité prenne le dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, je vois juste un petit coup de café, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, je tiens à vraiment à être à 100% dans mon esprit. En gros, quand son immaturité prend le dessus, imaginez, il y a une dispute, imaginez, vous vous disputez avec le PN, imaginez, voilà, il est en colère pour X ou X euh, raisons. Qu'est-ce qui va se passer? Il peut très bien prendre une tasse, prendre une assiette, la lancer sur vous et un accident peut très vite être arrivé. Si vous êtes à un balcon, il peut très bien vous pousser du balcon, voilà, et puis après vous tombez. Donc, un accident est très vite arrivé. Est-ce que c'est intentionnel ou pas? C'est à vous de vous le dire. Voilà, il y a des PN que ça peut être bien sûr intentionnel. Et puis, il y en a d'autres qui vont réagir dans la colère et qui vont réagir dans la précipitation. Donc, faites, les amis, quand même, Très 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 attention. Comme je vous ai dit, son premier but, c'est pas de vous tuer physiquement. Son premier but, c'est de vous contrôler par la peur. Et si vous devriez mourir, il préfère que ce soit vous qui vous tuez. Donc ça, ça vaut vraiment que vous en ayez conscience. C'est des sujets vraiment euh, très graves qu'on ne parle pas assez, mais vous devez vraiment euh, vous protégez, les amis. Vous protégez au maximum. Quand vous repérez qu'une personne a des comportements toxiques avec vous, vous ne savez pas si c'est vraiment APN ou pas, mais vous voyez que cette personne, eh bien, ça ne se passe pas. pas, c'est pas top. Ça ne se passe pas super bien. Vous voyez qu'elle a quand même des comportements assez, assez malsains. Euh, faites hyper, hyper, hyper attention, les amis. J'insiste. C'est vraiment hyper important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vous protéger au max et vous devez euh, partir. Il n'y a que ça à faire. Parce que le PN, il n'a pas votre maturité. Vous, vous savez bien sûr que quand vous êtes trop en colère, que vous allez donner un coup de poing à quelqu'un, qu'il ne faut pas aller jusque-là. Vous le savez. Ou que vous allez prendre une, une assiette lancée sur la personne, il ne faut pas aller jusque-là. Que vous avez envie de prendre la voiture, que vous êtes en colère et d'aller rentrer dans la surtout pas aller jusque-là. Mais le PN, lui, il n'a pas, encore une fois, cette maturité. Donc le PN, par exemple, lorsqu'il a bu de l'alcool, lorsqu'il est sous influence de drogue, etc., il aura quand même envie de prendre la voiture, et c'est là qu'un drame peut très vite eh bien, se passer, qu'un drame est très vite arrivé. Alors n'oubliez pas, les amis, que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77, et qu'ensemble, eh on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire, j'ai déjà dit des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient à nos moutons. J'ai plein d'exemples personnels. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans cette partie de la vidéo. Donc, le PN peut-il tuer les exemples personnels euh, Moi, il y a plusieurs fois où j'aurais pu mourir, par exemple. Euh, lorsque mon ex-PN, elle avait des, des, des très grands ongles comme ça. Et euh, un jour, eh ben, on s'était euh, disputé, on n'était pas, pas d'accord sur la même chose. Et euh, elle a commencé à vouloir me foutre des baffes. Et ces euh, ongles, en fait, euh, ont manqué de rentrer dans mon oeil. Il y a eu des choses comme ça. Donc, euh, c'est pas vraiment, peut-être pas mourir, mais j'aurais pu avoir un oeil crevé, en tout cas, à ce moment-là. Euh, même une baffe, on se rend même pas compte, mais une baffe, si vous la faites trop fort, et si vous la faites, euh, voilà, que, que la personne elle a le cou mal positionné, une baffe, une baffe peut parfois être mortelle. Une baffe peut parfois être mortelle, les amis. Donc, pour moi, tout ce qui concerne la violence physique, c'est à... Euh, bannir, Lorsque, on, bien sûr on peut avoir envie, on est parfois en colère contre, 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 contre des gens, c'est tout à fait possible mais vous, vous avez la maturité de vous stopper au bon moment de savoir gérer ça de prendre de la distance, et si vous ne l'avez pas et je vous invite bien sûr à travailler là-dessus Mais le PN, encore une fois, il n'aura pas cette maturité euh, là, il pourrait aussi peut-être vous faire, faire des coups euh, avec sa tête euh, s'avancer vers vous comme je vous ai dit, être violent euh, avec des objets donc vous devez prendre conscience de quoi est-ce que cette vidéo n'est pas du tout là pour vous faire peur hein. C'est juste pour... Je pense que si actuellement vous êtes dans une relation toxique, que vous, êtes, vous pensez que vous êtes avec un ou une PN, c'est si vous posez les bonnes questions. Est-ce que, pour moi, c'est même, même des questions de base, est-ce que sur du long terme, je peux construire ma vie avec cette personne En l'occurrence, si vous êtes avec une personne toxique, ou si vous êtes avec un PN, si vous êtes avec un manipulateur ou avec une manipulatrice, vous ne pouvez pas construire votre vie sur du long terme et il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Bien sûr, si, si au bout de dix ans, il y a eu deux, trois disputes un peu violentes, au bout de dix ans, ça va encore. Mais si c'est tous les mois, si c'est toutes les semaines, et j'ai même parfois des gens qui me disent que c'est tous les jours, vous méritez pas ça. Vous ne méritez pas ça. Et ensuite, ce que vous ne méritez pas non plus, c'est de vivre dans la peur de vivre dans la culpabilité et d'avoir tout le temps peur du PN, euh, etc. Non, maintenant il est grand temps, les amis, vous prenez votre vie en main. C'est la base. Et pour ça, on apprend d'abord à être heureux par soi-même. C'est vraiment super important ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes d'abord heureux par vous-même, la, la personne qui a envie de vous menacer, la personne qui a envie de vous torturer l'esprit ou la personne, voilà, qui a envie de vous faire du mal, vous ne la tolérerez plus jamais. Dans votre vie. C'est capital, les amis, c'est super important ce que je suis en train de vous dire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, hyper important, n'oubliez pas eh bien, le pouce de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager, c'est hyper important parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. On est une équipe, les amis, on travaille ensemble et c'est pour ça que c'est hyper important que vous commentez les vidéos. N'oubliez pas, juste en dessous de la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime. Pour sortir de prise, dans cette formation, vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est un PN ou une personne toxique. Quitter le PN, faire nos contacts sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre aussi mes meilleures techniques pour avoir des buts de vie, pour être dans le développement personnel. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses à comprendre, plein de choses à apprendre. Donc n'hésitez pas, les amis, à cliquer juste en dessous. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et prenez bien, bien, bien. souhaitez de vous, les amis.